Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions. Et d'ailleurs, les cartes PSN 50€ sont à seulement 41,94€ en ce moment. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir. Tout comme les jeux Nintendo Switch qui sont en promotion. Voilà, et comme tous les mois, vous pouvez participer au jeu concours Instant Gaming. C'est gratuit, donc tentez votre chance pour remporter le jeu de votre choix. Encore une fois, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Yo tout le monde, c'est FunnelGeek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. On va partir en PVP avec la fameuse team LOE et le leader Badaku. Vous savez, moi je le kiffe ce personnage. Voilà, Badak LF 6 étoiles, accompagné de Freezer LF à 9 étoiles. Le Freezer Revive qui est à 7 étoiles. Et puis bah voilà, le Freezer Zenkai 6, pas encore Zenkai 7, ça ne serait tardé. Le Child et le couleur Zenkai. Les amis, on perd pas plus de temps. Je vais enchaîner quand même pas mal de games. Et puis bah pour cette vidéo, eh bien je vous mettrai les meilleurs games. Je vais essayer de monter dans le classement. Voilà, pourquoi pas essayer d'aller dans le top 5K, 4K, 3K, je sais pas, on verra bien. Je vais enchaîner pas mal de combats et puis bon, on verra bien ce que ça donne. Let's go, max de pouces bleus en mode Genkidama. Yeah! Très bien, la team purple comme d'hab. Bah voilà, moi je vais prendre ces trois là et puis bah let's go, hein, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Allez, on va se concentrer quand même, ça serait bien de gagner un max de game. Surtout voilà, en plus, ok, très bien, il a pris le Gohan Revive, ok. Pour le Rising Rush, ça m'arrange pas. Surtout qu'après, voilà, il a le tag quand même de Goku Blue Vegeta Blue à 10 étoiles. Une fois que ça switch sur le Vegeta, les persos type jaune, c'est pas terrible. Allez. Ok. Très bien, il a une bonne tempo. Oula, ça arrache. Hein. Ouf. Très bien. On va switch hein, quand même. Là, il m'arrache quand même. Hein. Ça arrache sévère. Ok. Très bien. Très très bien. En même temps, je sais pas pourquoi j'étais que là-dessus. J'arrive même pas à le toucher, les frères. J'arrive même pas à le toucher. Ah, quand même. Ok. Logique. Logique, logique. Bon, bientôt. Allez, on se concentre. C'est pas parce qu'on a fait un mauvais départ qu'on peut pas gagner. Vraiment bien. Voilà, par contre, là, je vais prendre cher. Voilà, parfait. La petite cover blast qui fait plaise. Accompagnée de l'aspect. Par contre, l'aspect, elle a pas fait trop de dégâts, hein, forcément. Je vous l'ai dit, sur le Vegeta, c'est compliqué. Par contre, là, voilà, le Freezer Revive, il peut faire quelque chose. Alors pour Rising Rush c'est compliqué parce qu'il y a le Gohan Revive. Donc le Gohan Revive, voilà quoi. Ich. Voilà, et on va faire l'ultime. C'est pas évident hein, parce que je peux pas Rising Rush, il a son Gohan Revive. Je me dis qu'après voilà, il le met tout ça, mon Rising Rush servira à rien. En tout cas je trouve qu'on revient pas mal dans cette game alors qu'on avait mal commencé. J'ai pas pu esquiver. Ça par contre ça m'embête. Ok. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok. La cover blast. L'aspect qui va avec. Et bim. Ok. Ok, ça passe. Pourquoi ça commence à laguer? On peut m'expliquer pourquoi ça commence un petit peu à laguer? Ah, voilà. Très, très bien. Voilà. Ok, parfait. Ça, c'est très bien. Comme ça, on va lui faire sauter la première barre de vie. Et comme ça, je serai serein pour le Rising Rush. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais faire. Je trouve qu'on a fait une belle remontada dans cette game. Hein. On a fait une belle remontada. Ce combat sera dans la vidéo, je pense. Ce combat sera dans la vidéo. Allez. Voilà, ich. Cuisine. Voilà. Freezer LF, incroyable. Incroyable. En bas. Freezer LF, incroyable. Freezer LF, incroyable. Même pas besoin de Rising Rush dans cette game.
Oh là là, quelle posture, franchement, regardez, je trouve qu'il est trop classe, le Freezer Elf, comme ça. Bon, bah, écoutez, on avait vraiment très mal commencé la game, et je trouve qu'on l'a vraiment bien terminé. Voilà, pour le coup, ça fait vraiment plaisir. Okay. Team Fusion en face, très bien. Alors, Majoub, tout ça. Là, j'hésite, là. Je pense que là, je vais prendre ces trois-là. Je vais pas prendre le Freezer Revive. Voilà, je vais changer un petit peu. Voilà, je vais prendre le Freezer Zenkai. On va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, parce que je me suis dit, il partira pas avec les rouges. Donc, voilà. Alors, attention au Gogeta, quand même. Majoub. Franchement, Majoub, il est très complet. Mais quand j'ai Badak face à Majoub, je suis serein. Voilà, pour moi, je... Voilà, je sais pas, c'est comme ça. Donc, on verra bien. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Quand je dis je suis serein, voilà. Bon, non, mais je trouve que Badak, voilà, franchement, ça encaisse quand même. Pareil, là, voilà, pour le Freezer. Je trouve que Majoub, en termes de dégâts, ça devient un peu compliqué. Ok. Très bien. Gogeta, alors, par contre, lui, il faut faire gaffe. Parce que lui aussi, ça dépote. Hein. Oh, pas mal. Il a bien tempo. Hein. Il a très bien tempo là-dessus. Hein. Ok, très bien. Ok, tout va bien. Je suis en train de me faire brain. Ah, parfait ça. Hop, ish. Il a déclenché la verte pensant que j'allais peut-être faire une tape attaque. Eh ben non, monsieur. Voilà, ça c'est bien ça. Allez, arrache là. Voilà, allez, continue à arracher là. Voilà, allez, encore. Et du coup, il a remis le Gogeta. Ça va, on a bien amoché son Gogeta Blue. Perfect dodge, pas mal. Ah, le Gogeta, il fait mal. Hein. Ok, ça, ça passe. Il encaisse. Je fais pas de dégâts. Hein. Ce que vous voyez, hein, j'ai pas fait de dégâts sur le Gogeta SJ4. Voilà, comme ça, je récupère un peu de soin. On a l'ultime. Majoub, très bien. Ça devrait picoter quand même sur Majoub. Hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Oh bah tiens. Bon bah voilà. Deux attaques et Majoub à la cuisine. Badak, c'est incroyable. Oh, bel tempo. Il joue bien le mec en plus. Hein. Franchement, il joue bien. Ok. Ouais. Ok. Je vais mettre le Freezer Zenkai. On n'oublie pas, j'ai une survie au KO avec le Freezer Zenkai. Pour le Rising Rush ou quoi, ça peut être intéressant. Ok, fais voir les dégâts. Ça va, franchement, c'est correct. Ça a bien tanké. Hein. Ça a tanké un minimum quand même. Donc là, attention, il a une deuxième spé. Ish, cancel, ish. Pff, franchement, on a bien joué là. La vérité, là, les frères, là, on a bien joué. On a vraiment très, très bien joué. La strike cancel, j'ai anticipé ça... Sa deuxième SP. Et je suis en train de parler, je fais n'importe quoi. Parce que là, du coup, en fait, j'aurais pu faire l'aspect direct avec le Freezer. Sans passer par le Badak. Et là, je suis en train de ramasser bêtement. C'est de ma faute. Je parle pendant la vidéo. Tais-toi, ferme-la, Soso. Joue et arrête de faire n'importe quoi. Ok. Ish. On va récupérer un petit peu de soin avec le main. Parfait ça. Hop. Voilà. Ok. Ok. Parfait. Donc là, je vais le forcer à esquive. Je vais pas me casser la tête. Voilà. Ok. Vas-y, si tu veux. Ok. Maintenant que t'as esquive, t'as le Rising Rush, faut que je fasse gaffe. Ah bah, très bien. Ah bah, c'est fini pour toi. Il pensait peut-être que j'allais faire le Rising Rush direct. Et voilà, bah il a rage quit, voilà. Il pensait peut-être que j'allais faire le Rising Rush direct, mais non, j'avais pas besoin, moi, j'étais pas pressé. C'était lui qui était dans le mal, pas moi. Donc du coup, voilà, on a remporté la game. C'était une game vraiment très intéressante. Franchement, le Gogeta, ça fait des dégâts. Hein. C'était vraiment... Team Purple en face encore. Ok, bon, bah là, voilà, je vais prendre ces trois-là. Il y en a beaucoup de la Purple. Franchement, il y en a beaucoup de la... Purple, et bah, let's go, hein. Ok, le Vegeta, le Goku Tag Vegeta, ok, avec, oh, 13 étoiles, le Vegeto Zenkai, c'est quand même 13 étoiles. Faut faire gaffe, quand même, mais ça va, parce que, bon,
je trouve que la team LOE, avec Badak en leader, ça roule bien. Voilà, je trouve que ça tourne bien. Et je trouve ça intéressant d'avoir Badak face à son rival dans la même team. Badak versus Freezer, tu vois, alors que là, ils sont ensemble, c'est stylé de ouf. Hop, ish. Ça lag un peu. Ça lag un peu. Ouais, ça lag. Ça lag. Mais bon, on va essayer de voir ce que ça donne. Hein. Alors, je sais pas si c'est lui qui fait lag ou pas, mais... Oh là 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 là. Ah, mais... Ok. 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 C'est pas évident, mais que les lags, hein, j'essaye de... De jauger, hein, du mieux que je peux. Ok, ça passe. Ok. Pas mal, hein. Pour l'instant, on est pas mal, quand même. Hein. Malgré les lags. J'avais pas envie de main là-dessus, parce que si après, elle remettait le Goku, ça servait à rien. Ok. Ouais, mais non, mais... Vu qu'il y a les lags, c'est dur de jauger, là. Franchement, c'est dur de jauger. Par contre, là, ça va faire mal. Regardez bien. Je pense que là, ça va faire mal. Ouf! Quasiment les trois quarts de la vie. Le Freezer LF type jaune, il fait mal. Franchement, il fait mal. Oh là là, regardez-moi ça. Heureusement, ça passe. Oh là 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 là, les lags... Pff, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, hein. Ok, perfect dodge. Voilà. Allez, il en reste plus qu'un. Puis bah du coup, je trouve qu'on aura bien joué quand même. Mais avec les lags, franchement, c'est très compliqué. Donc là, j'ai fait strike, je comprends pas. Ok. Avec les lags, franchement, c'est très très compliqué. Voilà, allez. On va pouvoir LF. Ah bah non, il a pas voulu. Donc déjà, il y a eu des lags. Et en plus, tu veux pas qu'on te LF. Mais mon garçon, faut assumer un petit peu. Faut assumer un petit peu dans la vie. Hein, voilà. Non, bon, bah après, je sais pas si c'est lui qui lagué ou pas, ou si ça vient du jeu. En tout cas, on a win, c'est l'essentiel. Team Fusion en face. Ok, très bien, je prends ces trois-là. Après, attention, il a le Gogeta Zenkai. Et puis, il a 1717 GG. Ah ouais, 1717. Alors, est-ce qu'il va prendre le Gogeta? Ah, purée, il a pris le Gogeta, les gars. Type rouge. 14 étoiles Zenkai 7 face à mes deux jaunes, ça va piquer. La Kefla risque de piquer également sur mon Freezer Revive. Et après, il a le Végéto également, Zenkai à 12 étoiles. Le Gogeta m'inquiète un petit peu. Vraiment, le Gogeta m'inquiète un petit peu, le Gogeta Zenkai face à mes deux jaunes, parce que je vais être à contre-type avec deux persos. Et le Gogeta, on le sait, hein, quand il balance des strikes, les frères... Ah, tu la sens, la Golden. Vraiment, tu la sens. Bon, allez. Let's go. Alors, on va prendre le temps, on va pas attaquer direct. Sauf que lui, il attaque direct. Ok, bon bah là je ramasse, hein, avec le Freezer Revive. Ok. Ok. On va, voilà, on va switcher un petit peu. Bon, le Végéto m'inquiète pas plus que ça, là. Face à Badak, ça... ah, par contre, là, attention. Ok, ça passe. Voilà. Et je ne fais pas de dégâts comme prévu, hein. C'est normal à contre-type, hein, comme je vous l'avais dit. Par contre, là, si je prends Freezer Revive, c'est pas la même musique, ça fait plus de dégâts, là. Là, ça fait plus de dégâts. Ok, très bien. Hop, on va remonter le ki, voilà. Voilà. Ok, très bien. Donc là, je vais mettre la verte. Comme ça, on va pouvoir continuer le combo. Ça va me ramener une blast. Et on va pouvoir continuer à faire des dégâts sur le Végéto. Voilà. Par contre, ça lag un peu, là. Ah ouais, mais là, ça lag un peu, là. Bon, c'est pas grave. Ok. Voilà, vous avez vu la strike. Oh là là. Ouf. Heureusement, il y a le revive. Hein. Heureusement, j'ai Freezer Revive là. Ok, parfait. Ça, c'est parfait. Badak, viens faire mal là. Viens faire mal à la folle là. Voilà. Viens lui faire mal là. Voilà. Allez. 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 Très bien, il a mis Végéto. Oh, même le Végéto, à mon avis, ça devrait lui faire mal un peu. Hein. Ça devrait lui faire mal quand même. Ça devrait piquer. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, l'aspect. Oh, mais ça lag. Bah ouais, mais là, il va voir comme quoi je fais l'aspect, là. Bah ouais, mais tu vois... Merci le lag. Voilà. Clairement, là, c'est le lag qui fait que, bah, il a la lecture de mon jeu. J'ai le seum. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on continue.
Alors là, attention. Parfait, ça. Freezer revive. Ish. Ok. Allez, est-ce qu'on peut essayer de la kill là avec la petite verte? Ah, il va manquer. Vas-y, je rasigne. Je me casse pas la tête. C'est bon, je préfère lui retirer un perso. Voilà, mets le végéto si tu veux. Je préfère lui retirer un perso en espérant que je ne sois pas contré. Plutôt que d'essayer de faire je sais pas quoi. Ok, c'est bon, ça passe. Déjà, voilà, un perso en moins. Alors attention, parce que lui aussi, il a également le Rising Rush. Donc faut faire attention, faut faire attention. Hein. Bien, wesh. Oh là 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 là, je suis mal. Je suis mal. Oh là là, je suis mal. Oh là là. Pff, oh, ça fait trop mal. Oh bon, bah, je perds un perso. Le Gogeta, les gars, il fait trop mal. Le Gogeta Zenkai rouge face à mes jaunes, il fait beaucoup trop mal. C'est ouf, c'est ouf. Oh. Bon, j'ai une survie au KO. Enfin, j'ai... Bah ouais, mais survie au KO, mais il fait trop mal. Ok, je suis en 1v2. Par contre, heureusement, il y a le Freezer Revive là-dessus. Ok, ça passe. Alors, attention, il y a Kefla, j'ai encore mon Revive, il a le Rising Rush. Ok, il a esquive. Il a esquive. Et là, je pense que il attend que j'ai mon revive, voilà. Et il va essayer de me rising rush. Je pense. Donc là, faut que je fasse gaffe. C'est pas parce qu'il a esquive qu'il faut que je fonce dans le tas. Petite strike cancel. Eh ben ouais. Eh ben voilà. La strike cancel qui a carry, les frères. Voilà. Je trouve qu'on a bien joué. Franchement, on a très bien joué. Il n'avait plus son esquive. Il s'est dit que j'allais peut-être foncer tête baissée et du coup il aurait Rising Rush et il m'aurait battu comme ça. Et ben non, on a fait la petite strike cancel, ce qui m'a permis du coup de, entre guillemets, de le désorienter. Tiens, on est au rang combien? De le désorienter, puis bah du coup après j'ai réussi à re-esquive pour son Rising Rush et on l'a fini. Et on est au 5089, on est bientôt dans le top 5K quand même. Ah, on avance hein, quand même là, ce soir. On avance, on va continuer. Il y a un tag en face à 7 étoiles. Bon, moi je pense que je vais prendre les 3 mêmes. Alors par contre, là va vraiment falloir faire attention parce qu'il y a quand même le duo à 10 étoiles, Zamasu, Blagoku, et ça tank. Il y a un tag à 7 étoiles également. Et en fait, moi ce qui m'embête avec le tag, c'est dès que ça switch sur le Vegeta, bah mes persos type jaune, ils sont 0, clairement. Ok, très bien. Ok, bon bah voilà, ok, il les a pris. Après, il a pris Gogeta Blue, 3 étoiles, il m'affole vraiment pas, lui. Par contre, c'est plus le tag, et puis bah le duo qui va tanker. Faut vraiment faire attention à ça. Et bah les amis, hein, on va essayer de tout donner, hein. Ok. Parfait. Bon, il ramasse son Gogeta, il la ramasse. Il la ramasse. Tu peux faire le dodge, parfait. Moi, ça me va. Voilà. On va mettre la petite verte. Ok. Très bien. Attention, 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 attention à ce duo. Voilà. Ok, ça passe. Ok, parfait. Ouf, ouais, il ramasse. Hein. Oh, il ramasse. Pas mal, ça. Parfait, ça. Attention, maintenant, là, on est sur le Vegeta. Donc là, voilà. Ush. Voilà. Et je vais Rising Rush. Je vais même pas me casser la tête, je vais Rising Rush. Et du coup, il a laissé le Vegeta. Alors ça, franchement, ça m'arrange. La vérité, ça m'arrange. C'était son point fort. Mais ça m'arrange pas. Forcément, ça m'arrange pas parce qu'il a contré. Non, c'est grave. La vérité, c'est grave. Parfait, ça. Allez, ça dégage à la cuisine. On a bien tempo là-dessus. C'est incroyable. Toujours les contres en Rising Rush qui peuvent inverser la tendance de la game. Hein. C'est ouf. Allez. Petite cover blast. Voilà. Je me pose même pas de questions. Oh, très bien. Ok. Ok. Ok, ça devrait tanker quand même un minimum parce que... Ah bon?
Bon bah d'accord, ouais, voilà. Bon, il a dû voir comme quoi c'était chaud, parce que là j'allais tanker, son Gogeta Blue était que 3 étoiles, son tag était vraiment bien amoché, les amis, donc voilà. Je sais pas, là, on était dans le top 5K quasiment, là, on va être combien, là, à peu près, là. On va être combien, là, dans les 4000 et des bananes, sans doute, on va voir. On va voir un petit peu, ça faisait longtemps que j'avais pas... Ok, 4759. Bon, c'est pas si mal que ça, ça faisait longtemps que j'enchaînais pas les games comme ça. Et vous savez quoi? On continue. Bon, 14 étoiles partout. Ok. Et en plus, il a 1870 GG. 1870, il est en LBR, le bonhomme. Waouh! Oh, le Trunks et tout ça, là, 14 étoiles. Oh là là, ok, il a pas mis le Trunks, par contre, le Gata et Zamasu, 14 étoiles, le Duo, 14 étoiles, le Mirai Guan, 14 étoiles, par contre, là, le Mirai Guan à 14 étoiles, là, les gars, là, ça va être chaud, hein. Ah, là, ça va être chaud, quand il est 6-7 étoiles, franchement, il m'impressionne pas, mais là, 14 étoiles, même là, le Gata, il a, face à mes deux jaunes, oh, ah ouais, le mec, il a pas le temps, il a une sacrée team, hein. Oh la vache, là, je vais transpirer comme un bœuf, allez. Ok, ça passe. Ok. Ouais, forcément. On a bien tempo là-dessus. Ok. Malgré que le Mirai Gohan soit à 14 étoiles, je trouve que je lui ai fait quand même pas mal de dégâts. Par contre, la Gata, il est... Ok, j'ai bien tempo là-dessus. J'essaie de me concentrer là, les gars. Et j'essaie vraiment de tout donner. Parce que là, 14 étoiles partout, les frères, ouf, ça va piquer. Ok, ça mange. Non, ça l'a pas fait, là. Là, par contre, là, je ramasse, là. Ah ouais, son Mirai Gohan, 14 étoiles, par contre, là, il m'en mange, hein. Il m'en mange la tronche. Ok. Ok, je laisse le Freezer Revive. Comme ça, je ne mourrai pas. Je n'arrive pas à le contrer. Mais au moins, je ne mourrai pas. Freezer Revive va revenir. Alors, par contre, après, ça m'embête parce qu'il a également son Mirai Gohan. Et moi, je peux pas lancer les Rising Rush n'importe comment aussi, tu vois. Bon. Oh non, là ! Allez. Let's go. Parfait, ça. Ah, il a bien tanké quand même, hein. Ok, parfait ça, il a voulu faire un petit tempo, elle est pas passée. Ok, let's go. Je vais même pas me poser de questions. Là, faut endommager, là. Ouais, Gatai. Fais voir sur Gatai. L'ultime de Badak à contre-type sur Gatai. Fais voir. Gatai, 14 étoiles. Ça fait Walou. Ok, Freezer. Ok. Ça va me ramener une carte. Voilà. Je suis obligé pour me soigner parce que sa team, j'ai l'impression que... Par contre, là, c'est pas mal. Là. Le Mirai Gohan. Là, ça va faire mal. Hein. Bye bye. Hein. Et ben voilà. Hein. Oh là là. Les dégâts. Oh, les dégâts. Je ramasse quand même. Franchement, je ramasse. Hein. Sa team 14 étoiles. Ok, c'est pas mal ça. Attention au Gatai. Attention au Gatai. Je vais perdre le Badak, je le sens. Il va me one shot. Il va me one shot. Bah ouais. Oh là 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 là. Pas mal ça. Voilà. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, ça. Si on fait pas n'importe quoi, les gars... Si on fait pas n'importe quoi... Allez, allez. On va pas crier victoire trop vite. Ok, let's go. On rising rush. Et là, faut pas se faire contrer. Faut pas se faire contrer. Et si on se fait pas contrer... Et si on se fait pas contrer, on win. Pouh. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir parce que c'était un bon joueur. Il avait plus de 1800 GG, je crois. Il avait une très belle team.
Donc ça fait plaisir forcément de win contre ce genre de joueur. Et franchement, il jouait pas mal. Hein. Franchement, il jouait pas mal. Des fois, il a voulu faire des petits tempos, tout ça. Mais j'ai réussi un petit peu à changer mon gameplay. Et du coup, voilà, on est combien là? On est au rang combien là? En PVP là. On a dû quand même bien avancer quand même, hein, à force. Hein. Force de jouer là. Ouais, et on est quand même 3615. On est quasiment dans le top 3000, les gars. Bon, je pense que c'est quand même pas mal. Là, j'ai enchaîné pas mal de games, les frérots. J'ai pas perdu tant que ça. Voilà, je vous mettrai certaines games que je juge vraiment intéressantes pour cette vidéo. Max de pouces bleus, s'il vous plaît, sur cette vidéo en mode Genkidama. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'hésitez pas également à aller vous follow à ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo, tout comme le lien Instant Gaming. Sur ce, les amis, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!